Et bonjour, donc nous voici pour une petite présentation d'un tour que j'ai sélectionné. Thierry m'en a donné plusieurs, une petite palanquée. Et il m'a dit, tiens, viens, fais-moi un petit tour, une petite présentation. Donc il ne les connaît pas, donc il va le regarder en même temps que vous. Et donc ce tour, donc j'ai choisi, parce que j'ai trouvé ça vraiment très très bien, Red Prédiction de Daryl. Alors c'est très vieux, c'est pas quelque chose qui est tout jeune. Ça a été refait sur du bicycle, d'ailleurs de très très belles cartes. La gamme Et Daryl, elle existe depuis longtemps et là ils sont en train de toutes la ressortir et bien celle-là je la sûr, connais pas. Je la connaissais pas, je l'avais exactement. jamais achetée et c'est toi qui l'as choisie qui m'a dit tiens, Ouais, t'as fait ta sélection et je veux voir. parce que c'est bien, parce que le principe est très bon et c'est très convaincant et c'est très bluffant pour le spectateur. Alors ce tour, c'est quoi? Ben, avant de commencer, j'ai une petite prédiction dans cette enveloppe. Alors j'en ai qu'une seule, d'ailleurs je vais la sortir, hop, dans le bon sens pour pas que tu vois ce que j'ai écrit. Donc il n'y a rien d'autre à l'intérieur, très important, d'accord? De toute façon, Faut me faire il confiance, n'y ma a bière elle est rien. ici, voilà, On n'a donc pas je d'autre reviendrai caché. pas, il n'y aura pas de choix machin où je change. Elle est ici et elle ne bougera plus. Et j'ai ici 5 petites cartes, 6 petites cartes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec des nombres. Hein. D'ailleurs on peut même mélanger ces cartes-là. On peut même couper, même si tu as envie, tiens, toi-même de le faire, Thierry. Difficile avec Voilà, la caméra. j'ai mis des cartes face en l'air, face en bas, donc ça peu importe en fait. Hein. Voilà, on peut même continuer. Hop, voilà, on peut même couper. On peut même couper comme ça, puis couper comme ça. Et puis attends, tiens, je vais mettre des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Voilà. D'autres, tu peux encore une fois couper si tu as envie. Où je veux, là. Oui, on s'en fout. Voilà, c'est juste pour que. Voilà, très bien. Là où t'as coupé, on va mélanger aussi un petit peu les cartes. Hop, et on va par exemple mettre celle-ci comme ça. Tiens, voilà, ça me plaît. Donc j'ai mélangé des cartes dans un ordre. Je le connais pas, mais peut-être que ça va t'embrouiller, d'accord? Et je vais comme ça placer les cartes. Hop, tiens, comme ça. Ici, tu vois? Donc ils n'ont pas d'ordre, hein, c'est vraiment vraiment aléatoire. Et maintenant, ce que je vais te demander, Thierry, c'est que tu vas me nommer un nombre, n'importe lequel, ce que tu veux, entre 1 et 6. Vraiment librement. Celui que tu as envie. Hein? Ça sera donc la position, donc tu prends la première carte. Ça va? Ah ben, c'est la première carte. Ouais. Voilà. Si tu m'avais dit 2, tu as compris qu'on aurait On pris. a repris ça là, c'est ça, c'est Eh sûr, hein? ben voilà, tu as Y a tout pas compris. d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Et si on dit Voilà. 3, tu. Là, on aurait pris le 3. D'accord. Ok? Donc y a vraiment pas d'embrouille Il au n'y niveau a des chiffres. pas d'embrouille au niveau des chiffres. C'est pas le principe où tu dis 1 et c'est Non, si tu m'avais UN. dit 6, on n'aurait pas. T'aurais compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas S-I-X. D'accord. Voilà. C'est pour ça, alors Je vois ce que tu veux dire. c'est pour ça que j'ai pris 1, parce que dans tous ces trucs-là, on se demande toujours si on dit 6 ou 1, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tout à C'est pour ça fait. que j'ai fait ça et je déteste les trucs UN. Tu vois, UN, SIX. D'accord. Alors Voilà. si c'est pas ce principe-là, déjà c'est pas mal. Donc tu veux changer, tu veux prendre la deuxième? Non, 1. On reste sur ça? Très bien. Eh ben, pour tout te dire, ça m'arrange. Parce que je le savais que tu allais prendre le nombre numéro 1. Parce que, vas-y, est-ce que tu peux lire la petite prédiction qui est ici? Moi, je touche rien. Hein. Autrement, on va dire que je triche. Tu choisiras une carte Eh rouge. oui. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que le 4, il est noir. Ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est parce que, au fait, je t'ai pas montré toutes les autres cartes. Non. Tous les dos, comme tu vois, sont noirs, sauf les cartes que je t'ai montrées, que tu n'as jamais vues, mais qui elles aussi sont noires. Eh bien, tiens, tu peux retourner le 4. Je savais que tu choisirais la carte, la seule carte à dos rouge. C'est pas Bizarre mal. ça, hein? C'est bien. Voilà, donc t'aurais. Non, mais c'est. C'est joli! Si tu me dis C'est que joli! c'est pas UN, parce que c'est chacun à son principe, mais celui-là, il est pas mal. Donc, effectivement. Il n'y a pas de nouvelles prédictions quelque part cachées. Hop! Ah non, Lacune. pas du tout. Qu'est-ce qu'on Il n'y a pas reçoit? de carte collée. Pareil pour celle-ci, c'est pas des trucs que je remets sur d'autres qui viendraient à coller. Et on ne change absolument rien, on ne rajoute rien. Il n'y a pas d'autres prédictions et tout est ici. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Ben, on reçoit ça. Donc 5 cartes noires plus une carte rouge. Ça, non, je l'ai mis sur une carte blanche. D'ailleurs, dans la vidéo, il met vous choisirez une carte, enfin vous piquerez une carte rouge. Directement écrit sur l'enveloppe. La Donc, prédiction, tu peux l'écrire à l'ordinateur, c'est toujours la même. exactement. Ça, c'est. Ça Elle sera changera. toujours ici, elle changera jamais.
Sûr que si elle est en première et que tu lui dis 3 ou non, 4 non, c'est pas mal. Voilà. Donc franchement, je trouve ça bien. C'est des tours qu'on peut dégainer facilement. Ça tient vraiment dans la poche, hein, puisque c'est le cas de dire, hein, on a ça, puis allez, si on veut notre petite prédiction qui est là, et tout ça dans l'enveloppe, donc on peut arriver directement sortir ça, dire, bah tiens, j'ai une prédiction, je la pose. Bon, bien sûr, celle-ci, on la voit pas, bien évidemment. Et on attaque, hein, en étalant nos cartes, et boum, il va se faire ce miracle-là. Voilà. Et ce qui est bien aussi, parce que ça, c'est vrai que c'est un tour comme ça, on va dire, on le voit qu'une fois, donc du coup, tiens, c'est beau. Mais si on l'avait vu plusieurs fois, ce tour-là, c'est pas des trucs où dit, tiens, tu me dis celle-ci, attends, on l'élimine, tu me dis celle-là, on l'élimine. Non, ça restera. On dit un chiffre, Exactement. Tu me on dis va un sur la chiffre, je carte. donne. Voilà. D'accord. Tout simplement. Donc voilà, on va pas en dire plus, autrement ça serait dévoiler les choses. Ben, Mais en tout. j'ose pas trop dire aussi des idées, mais Ben ouais, parce que si je peux pas répondre, t'as compris que ouais, ça ben, sera la mais solution. vraiment là, déjà, c'est pas mal. Mais non, mais c'est vraiment, vraiment très très joli. En plus, on n'en a qu'un, parce que c'est toi qui a fait ta liste chez Murphy. Eh bien, on va en commander plein parce que j'adore. En plus, je sais que c'est les Daryl, c'est les petits prix en ce moment. Bon, ben Non, non, j'achète. c'est bien. J'achète C'est beaucoup. beau, beau petit tour de carte. Intéressant. Allez, merci, Voilà. Jérôme. Et je vous donnerai également j'ai changé quelques petits trucs, justement, les mélanges, les machins comme ça, qu'il explique pas dedans. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a l'impression de faire tout et n'importe quoi alors qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a quand même des choses à faire. Mais voilà. Donc vous aurez une belle explication en français de comment on fait tout ça. Bon, Allez, à la merci Jérôme. prochaine!